Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, qui dit nouveau mois dit produits terminés du mois précédent. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour les produits terminés du mois de juin. Alors, vous voyez, mon bac est plutôt vide, donc je pense que ça va aller assez vite. On attaque tout de suite. Un gel lavant pour les mains, tout simplement de la marque Dettol. Il est à l'aloe vera. Alors, aloe vera et protéines de lait, antibactérien. Il sent super bon. Ça, c'est vraiment un petit coup de cœur. Il sent très très bon. C'est un 250 ml. Il a dû me faire 2 mois à peu près, sachant que j'ai des nettoyants pour les mains. J'en ai 4 dans la maison en tout. Il sent bon, il lave bien. Les mains sont toutes douces après. C'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça mousse. Il est vraiment très très bien. Le seul petit point peut-être un peu négatif, c'est que je trouve l'odeur un petit peu entêtante et je m'en suis un petit peu lassée. Mais voilà. Aucun regret, je pense que je rachèterai quand même. Ensuite, alors là, c'est pas de l'hygiène, mais c'est du produit pour le linge détacheur avant lavage eau écarlate que j'avais acheté à Noz il y a bien longtemps à pas cher, 1,99 €. Il est quasiment plein, sauf que c'est nul, ça sert à rien au niveau du bouchon. Alors j'espère que je vais pas en mettre partout. Voilà. Au niveau, vous voyez, c'est tout rouillé parce que ça fuit en fait. Donc ce produit, je ne recommande absolument pas. Je vais le mettre par terre avant d'abîmer la table. Ensuite, Head & Shoulders, un shampoing 2 en 1 antipelliculaire. C'était les gros flacons de 580 ml. Ça, c'est... J'aime bien l'odeur, hein, ils sont plutôt bons. Ça, c'est monsieur qui utilise ce produit-ci. Bon, très bien, il le reprend tout le temps, et voilà. C'est vrai qu'un gros flacon comme ça veut dire quelques mois, on peut pas dire qu'il coûte très très cher en shampoing. Donc voilà, celui-là, je vous le recommande aussi. Il est... Pour antipelliculaire, la compo, elle est pas clean, mais c'est ce qui reste efficace, donc... On revient toujours au même. Ici, des maxi-cotons bébés. Je vous les présente de temps en temps. C'est ceux que j'utilise pour les fesses de mes enfants. Bah, maintenant, pour ma fille, vu que mon fils est propre. Enfin, à 2 ans et demi, c'est cool. Du coup, bah voilà, les maxi-cotons bébés Carrefour, ils sont pas très chers. Ils font le job, ils sont assez grands. Donc, c'est très bien. Ensuite, ceci, c'est un gros coup de cœur de la marque Lancôme Miel en mousse, démaquillant, nettoyant, moussant. Ce truc-là est parfait. Donc c'est une texture huile. Ça sent... Je trouve pas que ça sente le miel particulièrement. Je retrouve pas du tout l'odeur de miel, mais toujours est-il que j'adore son odeur, qu'il est ultra efficace. J'utilise quand je me maquille, vraiment pour le premier nettoyage, je me démaquille avec ça. Il est ultra efficace. C'est un 50 ml que j'avais acheté directement sur le site de Lancôme. Je pense que ce produit-là, je vais me le racheter. Voilà. Même si j'ai d'autres nettoyants, démaquillants, je pense que celui-ci, je vais directement me le racheter. Ensuite, de la marque Corem Paris. C'est une eau micellaire Provence, eau de bleuet, eau de lavande et jus d'aloe vera bio. Je l'avais reçu dans une beautiful box. Il est très bien. 100 ml. J'aimais bien son odeur, assez légère, elle n'était pas entêtante. Moi, j'utilisais le matin en général à rincer, bien sûr. Mais ils disent ne pas rincer, mais elle mousse vraiment et je... Voilà. Quand je rince pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des résidus en fait. Et pour appliquer le sérum après, c'est pas terrible. Donc voilà, moi je la rince, elle est très très bien. Celle-là, j'en utilise un autre flacon. À l'occasion, je rachèterai. C'est pas un coup de cœur waouh, donc j'irai pas... le racheter absolument, mais j'en utilise un autre actuellement. Donc voilà, oui, j'en suis contente, il est très bien. Ensuite, vous verrez, j'ai pas beaucoup de négatifs à dire, je pense, sur tous les produits que je vais vous montrer. Vous entendez encore ma fille qui... Je fais toujours les vidéos quand elle fait sa petite gym à côté de moi, comme ça j'ai un œil sur elle. Et voilà, elle commence à bien bouger à plus de 6 mois maintenant. Alors du coup, le savon Sanex Bio Protect. Ce truc-là, je l'ai reçu en test avec Home Testé Club, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce site de test. L'odeur est une tuerie. Moi qui n'utilise pas du tout de savon solide, celui-ci est vraiment parfait, quoi. C'est... J'adore. J'adore cette odeur. La peau, elle est vraiment super douce, il mousse super bien. Voilà, je ne peux que vous le recommander. Ça coûte pas cher. Vu la taille du savon, ça va durer un bon petit moment. Et voilà, j'ai un énorme coup de cœur pour ce produit. Ensuite, bon, on reste sur du solide. Alors, Yves Rocher. Alors ça, c'est l'emballage de la boîte, parce que... qui nous offrait une boîte pour ranger le shampoing avec. Et du coup,
Hop, j'étais à Yves Rocher pour chercher mon cadeau d'anniversaire chez eux et du coup j'en ai profité pour acheter un shampoing solide. J'ai pris le shampoing solide douceur, tout type de cheveux, à la camomille bio. Voilà, tout simplement. Je voulais prendre ça pour partir en vacances pour cet été, pour le mois d'août. J'ai essayé une fois, j'ai rien vu de particulier, mais après avec un seul essai, je sais pas. Là c'est vraiment que la boîte, hein, c'est une bonne boîte bien cartonnée comme ça. J'ai pas de retour aujourd'hui à vous en faire. La première utilisation, ça m'a pas déplu, ça m'a pas transcendé non plus, donc voilà. On en reparlera fin août. Je vais peut-être garder la boîte de côté pour ça d'ailleurs. Ensuite, ici, vous voyez qu'il en reste un peu. Il faudrait que je le coupe pour réussir à récupérer la fin. Ouais, je pense que j'ai encore une utilisation. C'est le gommage délice Barbara Gould. Réveil éclat, particules au noyau d'argan, poudre végétale, complexe énergisant, grenade plus vitamine. Ce truc-là, il est vraiment très très bien. La texture, elle est assez épaisse, on dirait un peu une gelée, avec des grains. Je pense que je vais réussir à vous en montrer un peu. Je ne sais pas si vous verrez. Ouais, on voit les gros grains là, un peu plus foncés. J'adore l'odeur, j'adore l'utiliser. J'utilise sous la douche en général et je le rince directement. Il est vraiment très 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 bien. J'en utilise, j'en avoir deuxième du même produit, donc je suis en train d'utiliser actuellement. Mais c'est pareil, celui-là je vous le recommande. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un très bon produit que j'apprécie utiliser. Donc à l'occasion, je pourrais être susceptible de le racheter. Ensuite, ce produit-ci, alors je le jette bien qu'il en reste encore et c'est un très bon produit. Je le jette tout simplement comme il est arrivé. À date et sur ce type de produit, je préfère ne pas dépasser. Alors, Aderma, c'est avoine réalba, lotion asséchante apaisante, nourrisson, enfant, adulte. En fait, je l'ai eu pour les boutons de varicelle de mes loulous. Ça a permis de sécher en fait pour éviter que, surtout au niveau des fesses, etc., pour éviter que ça macère dans la couche avec les boutons de varicelle et que ça aggrave les. Ou que ça fasse trop de cicatrices, ou qu'il se gratte, ou que ça fasse des cicatrices. Donc ce produit-là, je vous le recommande vraiment pour la varicelle, il est très 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 bien. Après, demandez quand même conseil hein, au niveau des boutons de varicelle et tout, voilà, au pharmacien. Mais nous, c'est là qu'on l'a eu et il est vraiment top de chez top. Ici, un liniment bio oléocalcaire d'Audi bébé. J'ai utilisé pour mon fils. Je ne le reprendrai pas parce que je ne sais pas si vous verrez au niveau d'ici. Bon, en gros, il y a quatre lignes d'ingrédients. Donc, de l'eau, oui, de l'huile d'olive, oui. Et après, il y a tout un tas de cochonneries, entre guillemets, alors que du liniment, en soi, il n'y a pas besoin de choses comme globalement de l'eau chaude, de l'huile d'olive et de l'eau. Toujours est-il qu'il y a beaucoup trop d'ingrédients là-dedans, donc il est bien, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, ici, nous, j'en ai deux. C'est des eaux thermales Jonzac. Alors, j'en ai plein partout. J'avais eu ça dans des box. Pour les petits, pour tout ça, pour moi, quand j'ai trop chaud. Voilà, j'en utilise tout le temps. J'aime bien. Après, c'est pas une marque. C'est pareil, la marque, je suis pas forcément époustouflée par ce produit-ci. Mais à l'occasion, si je retombe dessus et que le prix est correct, je rachèterai sans problème. Ensuite, ici, je l'avais depuis une éternité. Je pourrais quelques années, je pense. Je pense que j'ai déménagé plusieurs fois avec. Alors, c'est un masque lissant Farida B, soin essentiel pour cheveux frisés. Je l'ai utilisé, j'ai pas les cheveux frisés, mais j'ai un peu d'ondulation quand même. Il sent bon. C'est vrai que je trouve que j'ai les cheveux un peu plus lisses en l'utilisant. Un peu plus dompté, on va dire aussi. Je rachèterai pas, mais oui, j'ai apprécié l'utiliser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est très bien. Et le dernier produit, donc ce produit-ci de la marque Hera. C'est tout simplement un gel douche thé blanc et jasmin. On avait eu ça dans un à l'hôtel, dans je sais pas quel hôtel, un hôtel en tout cas. Il est très bien, il sent très bon, il mousse bien. J'ai rien à dire de particulier. Si vous voyez cette marque-là dans un hôtel, n'hésitez pas à les utiliser, ils sont plutôt très très bien. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter les produits que j'ai finis au mois de juin. J'ai ma petite louloute qui râlait, alors elle vient faire sa star un petit peu avec moi. J'avais pas grand-chose à vous présenter, du coup la vidéo est un peu plus courte que d'habitude. Je vous retrouve pour ben, la vidéo des produits terminés au mois de juillet, début août, et puis après vacances, donc je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de terminé cet été. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt!